Vous avez rendez-vous sous les étoiles demain, samedi 30 mars. À l'occasion de Earth Hour 30, vous êtes invité à éteindre vos lumières non essentielles de 20h30 à 21h30. Alors, à quoi ça sert d'éteindre ces lumières? C'est une action symbolique. Il s'agit de montrer à vos voisins, votre quartier et au monde que vous soutenez notre planète. Allons-nous faire des économies d'énergie en participant à Earth Hour 30? Oui, si l'on suit la démarche jusqu'au bout. Éteindre ses lumières non essentielles, débrancher ses appareils électriques en veille, tous ces petits gestes simples répétés au quotidien peuvent vous permettre de faire des économies sur votre facture d'électricité. Mais que faire pendant Earth Hour 30? Énormément de choses. Un dîner aux chandelles en famille, entre amis ou dans votre quartier. Imaginez, vous éteignez toutes vos lumières, une table au milieu du quartier avec des bougies et chacun apporte un plat qu'il aura préparé. Et si vous préférez sortir, sachez que les hôtels, bars, restaurants, snacks et roulottes, partout sur le Fénois, vous proposent une soirée aux chandelles. Rendez-vous donc demain sous les étoiles. Le JTV Radio, la minute de l'environnement.